Bonjour mes amis, bonjour les abonnés. Donc j'ai décidé ce matin de partager avec vous cette action un peu spéciale que j'ai décidé de mener ce matin. Donc ce matin, je vais me diriger vers un petit patelin qui s'appelle Boula Noire. C'est à 5 km de Khouribga ville. Et vous allez me dire pourquoi. Eh bien, comme j'ai déjà travaillé dans ce petit patelin, et que j'ai passé pas mal de temps là-bas, et que je connais pas mal de gens, donc je vais y aller pour faire un peu de promotion pour ma chaîne. Donc je vais demander à mes anciens élèves d'y adhérer et de s'abonner à ma chaîne. Et donc, vous allez partager avec moi ce parcours. Là, j'attends un bus. J'espère qu'il va venir plutôt peu. Donc voilà le bus qui arrive, j'ai de la chance. Ça ne va pas tarder, donc je vais monter dans le bus. Donc là, je suis dans le bus, j'ai de la chance. Le bus, il n'a pas tardé. Dès que je suis arrivé, donc le bus, il arrive. Et là, je me dirige vers Boula Noire, petit patelin. Où donc je vais faire un peu de promotion pour ma petite chaîne. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment que j'éprouve en ce moment en retournant à ce petit patelin. Tout ça est nouveau pour moi. Quand j'y étais pour la première fois, c'était en 1988. El Fout Samia Tmenin, il n'y avait rien de tout ça. C'était juste un désert que nous on parcourait pour arriver jusqu'à l'établissement. Mais Dieu merci, il y a eu du changement. Un très grand changement. Il y a des maisons, il y a des écoles, il y a une grande route. Et donc, il y a vraiment un grand chantier qui est en train de s'opérer dans ce petit patelin. Donc là, nous nous dirigeons vers Boula Noire. Là, je suis dans le bus. Et donc, je me dirige vers Boula Noire. C'est Boula Noire. Vous y voilà. Donc tout ça n'existait pas. Comme je vous le disais, avant c'était un vrai désert avec quelques maisons éparpillées ici et là. Donc c'était vraiment la campagne. Maintenant, ça a pris une autre forme. Ça a vraiment changé. Avec des cafés, des piscines. Shukran. Donc là, je descends. J'ai fait exprès de descendre ici pour me donner la possibilité et l'occasion de filmer plus ou moins. Ça, c'est une piscine qui a été créée, mais qui avant n'existait pas. Donc là, c'est pas de piscine. Toutes ces maisons-là n'existaient pas. Avant, c'était des champs à cultiver. C'est une maison de jeunes d'Artakata. Maison de jeunes. Ici, c'est la commune rurale. C'est la commune rurale. Hein? Al-Jama'atul Qarawiyyatu Boula Noire, commune rurale de Boula Noire. Donc, tout ça, plus ou moins. Et là, c'est le collège où j'ai travaillé. C'est le collège Tariq Ibn Ziyad.
طارق ابن زياد. Il y a même un café là-bas en face. Un très très beau café. Un très très beau café. Que peut-être nous verrons après. Mais pour le moment, je vais essayer d'aller de rentrer dans mon collège. Et ces voitures de transport là, c'est une histoire avec ces moyens de transport. Je ne dirais pas grâce à moi, mais j'avais fait un film éducatif où j'ai parlé de ça. إذن المؤسسة أيضا تغيرت. هسي المزاح تا هو تغير تا هو تبارك الله وصلى على النبي. دونك هذه هي المؤسسة اللي خدمت فيها. C'est là où j'ai travaillé avant. Il y a des chikoulou, tout ça, c'est nouveau. Avant, il y avait le préfabriqué. Donc, on a enlevé le préfabriqué et on a bâti des choses sérieuses. Et là, on est avec le directeur. C'est ça, Nachid Louatani Tbarkallah Men Bital Ahrar. C'est ça ce qui fait notre fierté. C'est ça ce qui fait notre honneur. Donc ça fait plaisir de voir un établissement public comme ça. Il ne faut pas toujours faire la promotion des écoles privées. Alhamdoulilah, Dieu merci. Dieu merci. Et là, je suis vraiment, vraiment surpris de voir que la salle des profs, elle s'est métamorphosée. Avant, quand j'étais là, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est très très beau, croyez-le. C'est super. Waouh, ça fait plaisir de voir des salles de profs comme ça. Tabarakallah alik, monsieur Boutoir. Bravo, monsieur Boutoir. Ça prouve que la gestion, c'est l'homme. Donc regardez-moi cet établissement. Non, c'est pas grave. Regardez-moi cet établissement. On ne se croirait pas dans une école privée, sincèrement. C'est mieux qu'une école privée. Regardez-moi ça. Regardez-moi l'art. Regardez-moi quand le directeur est un artiste. Si vous avez un directeur artiste, vous êtes sûr de voir de belles choses dans l'établissement. Waouh, ça c'est le reste des tables, et donc il a été exploité pour en faire vraiment de belles choses, de belles sculptures, sincèrement. Super, tout ça est extraordinaire. Tout ça est extraordinaire, croyez-le. Pour vous dire que la gestion, c'est l'homme. La direction, c'est l'homme. Et quand le directeur est un artiste, attendez-vous au beau. Attendez-vous à tout ce qui est beau. Tout est bien organisé, tout est bien fait. Les classes sont propres. Les élèves aussi. Ça fait vraiment plaisir. Sans parler de l'espace. Regardez-moi les classes, comment elles sont. Oui. Et là, pour empêcher les élèves d'aller déranger ceux qui font du sport, eh bien, on a fait ce grillage-là pour limiter le dérangement des élèves qui n'ont pas le sport.